Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième édition session des Data Days. Donc aujourd'hui en fait on va parler de deep learning mais pour un domaine assez particulier, le domaine en fait de la santé plus précisément donc de l'imagerie médicale. Donc en fait on va voir tous ces challenges, tout ce monde moderne et toute cette implication en fait avec le monde du deep learning. Aujourd'hui en fait notre speaker c'est Pierre Antoine euh, Ganaï qui est data scientist. Donc c'est parti, je lui laisse euh, commencer son talk. Donc n'hésitez pas pour la partie questions, ça va être dans le chat et pour le point de feedback, donc n'hésitez pas. En fait, on a un fichier de feedback en dessous en commentaire, donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires par rapport à la vidéo. Euh, merci beaucoup et à tout à l'heure pour les questions. À toi, Pierre Antoine. Vous aujourd'hui pour faire une petite mise au point de l'utilisation du deep learning dans le domaine de l'imagerie médicale. Donc je vais essayer de vous donner un aperçu de ce qui peut se faire à la fois du côté académique et aussi du côté de l'industrie pour que voilà, vous puissiez euh, voir à la fois du côté recherche, est-ce qu'il y a des, des thématiques qui euh, sont un petit peu plus différentes de l'industrie et inversement. Ce ne sera pas un taux qui sera technique, euh, en tout cas pas, pas dans sa totalité, uniquement je dirais environ 5 à 10 minutes qui seront un petit peu plus théoriques techniques que, que le reste. Mais sinon, euh, vous n'avez pas besoin d'un niveau particulier pour arriver à suivre tout au long de la présentation. Donc, il n'y aura pas de souci au niveau de ça. Alors, le sommaire, très rapidement, au programme, ben, je vais vous introduire au monde de l'imagerie médicale. Euh, comment euh, comment est-ce que vous allez euh, pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise différents outils, différentes machines d'acquisition? Euh, là, la chose que j'ai envie de faire, en fait, c'est que vous puissiez voir aussi les problématiques qu'on va traiter, nous, du côté de la recherche. Voilà, il faut que vous ayez un petit aperçu euh, à la fois des outils pour comprendre les problématiques, c'est logique. Ensuite, je ferai un petit rappel sur le deep learning, mais normalement, vous êtes déjà à peu près tous au courant de, de ce que c'est, donc ce sera vraiment très rapide. Et dans la deuxième partie du talk, eh bien là, je vais aborder mon retour d'expérience euh, du côté académique sur l'un de mes travaux de thèse que j'ai effectué dans un, un laboratoire de recherche publique. Euh, donc là, ce sera effectivement la partie académique de, de cette présentation. Et euh, pour la partie industrie, eh bien là, je basculerai en vous parlant de quelques startups françaises du côté de la MedTech et aussi de ma startup radio -stick. Voilà. Alors pour la petite présentation, Pierre Antoine. Maintenant, vous me connaissez. Je suis freelance euh, Data Science en santé. Euh, donc, je fais des missions de conseil, de formation, et je suis également euh, responsable de la toute la, la pile technique de radiostique et scientifique. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'introduction à l'imagerie médicale. Euh, donc, à l'origine de l'imagerie médicale, on retrouve forcément euh, le corps humain qui possède encore de nombreux mystères euh, que l'on essaie toujours d'éclaircir avec des nouvelles méthodes. Et justement, euh, l'imagerie médicale, ça a été créé en 1895 avec l'invention des rayons X. Alors pourquoi, euh, pourquoi cette recherche Eh bien c'est pour comprendre le fonctionnement du corps humain sans forcément avoir besoin de, de faire des, euh, là, des opérations invasives, pour pouvoir comprendre l'observer de l'extérieur et aussi pour mieux le soigner, évidemment. Donc vous pouvez vous en douter, les techniques qui ont été développées en 1895 ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont utilisées aujourd'hui. Euh, elles, ont, elles ont évolué. Euh, parce que l'imagerie médicale, c'est un domaine multidisciplinaire. Ça évolue du côté de la physique, ça évolue du côté de l'électronique. Et donc, forcément, vu que l'informatique a aussi progressé, eh bien, on réussit maintenant à faire des choses comme reconstruire des images en trois dimensions. Donc, ça fait partie des, des progrès que la science a apporté à l'imagerie médicale. Euh, alors, on utilise aussi différentes techniques euh, d'imagerie. On n'utilise plus uniquement que le rayon X. On va en voir d'autres. Dans le but. Euh, alors, il y a plusieurs objectifs à l'imagerie. Celui que, euh, que tout le monde connaît, évidemment, c'est le diagnostic. Hein. On veut savoir euh, si on a une douleur, si on a un problème, qu -ce que, à quoi c'est associé. Donc ça, c'est la partie diagnostique. Il y a aussi une partie pour suivre l'évolution d'une maladie. Hein. Lorsqu'on est atteint, par exemple, d'une tumeur ou d'un cancer, euh, on veut savoir si, euh, eh bien, si la, la tumeur va se déplacer, va changer de volume. Euh, et ça, c'est associé au, à la progression de la maladie, en fait. Et on peut aussi l'utiliser pour traiter. Donc ça, c'est la phase thérapie, par exemple, avec la radiothérapie que beaucoup connaissent. Alors pour un aperçu moderne des outils d'acquisition, de, c'est tout de suite. Avec cette slide, donc, euh, si vous êtes déjà papa ou maman, normalement vous connaissez à peu près la station d'échographie qui se situe au milieu de l'écran. Euh, elle se base en fait sur la propagation des ondes pour reconstruire les, les organes internes. C'est un peu comme euh, les chauves-souris ou les dauphins. Le principe, c'est d'envoyer des, des ondes et d'attendre en fonction du temps de retour. On peut caractériser le tissu euh, qui, euh, qui a été traversé par l'onde. Alors il y a d'autres méthodes, d'autres types d'imagerie, il y a la radiographie, donc le, le fameux scanner, l'imagerie magnétique, l'IRM, qu'on retrouve en bas à droite, et le scanner est en bas à gauche. Et on a aussi l'imagerie optique, on a encore d'autres types d'imagerie qui peuvent être utilisés. Alors pourquoi est-ce qu'on a toutes, euh, toutes ces imageries qui sont à disposition Eh bien en fait elles ont toutes des particularités et aussi des coûts, euh, donc on essaie de jongler avec ces, ces deux critères-là. Alors par exemple l'IRM qui est l'imagerie magnétique, euh, elle est vraiment très appréciée, elle permet d'obtenir une qualité vraiment euh, très intéressante. Par contre, un IRM, ça coûte plusieurs millions d'euros. Donc, on ne peut pas toujours avoir l'examen. Normalement, si, si vous avez déjà voulu faire un examen d'IRM, ça prend souvent plusieurs mois avant d'obtenir un premier rendez-vous. Voilà. Et aussi, l'examen en lui-même, en, lui en tant que tel, l'IRM est long. Donc, euh, difficile d'accès, malheureusement. Euh, mais c'est aussi un, un examen qui est très recommandé pour avoir un bon une bonne résolution. Alors, l'ultrason. Qui est au milieu, examen pas cher. Alors, une station d'échographie, ça, ça peut commencer autour de 5000 5 000 euros jusqu'à plus de 100 000. Alors, la différence, c'est que le contraste et la qualité ne sont pas du tout la même qu'avec l'IRM euh, et on ne peut pas voir à travers les os. Par contre, dans certains cas, comme par exemple pour le suivi de la, la grossesse, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller imager très fond dans le, dans, dans le corps, de, pas besoin de traverser les os, donc c'est très adapté. Le scanner, c'est encore un autre type d'imagerie qui se base, lui, sur l'émission de, de rayons. Donc ça, c'est le désavantage. Le côté irradiant, ce n'est pas une bonne chose pour le corps humain. Donc euh, à la fois, le scanner, c'est un examen qui n'est pas cher. Euh, on peut trouver des, des scanners à plusieurs... Bon, ça coûte toujours beaucoup plus cher qu'une qu station d'échographie. On est toujours autour de plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, mais on a un contraste qui est assez intéressant. Et euh, mine de rien, ce n'est pas non plus euh, vraiment... Très problématique l'émission de, de rayons. Par contre, on ne peut pas toujours voir les mêmes choses. Et c'est la notion que j'ai envie d'aborder maintenant, c'est la notion de contraste. Alors, le contraste, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, c'est le fait qu'on ne puisse pas toujours tout voir euh, dans les images, que ce soit des organes, des liaisons, des lé lésions, pardon. Euh, voilà, en, en raison des propriétés du corps humain et de la machine d'acquisition. Euh, il se peut, par exemple, qu'on essaie de, 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 par exemple, dans le cadre de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, on va essayer d'observer s'il y a une zone du, du cerveau, un tissu qui est en train de mourir. Et ça, dans les premières heures, ce n'est pas toujours possible au scanner. Par contre, c'est possible avec l'IRM. Voilà, en fonction des propriétés du corps humain, le fait qu'il y ait certaines molécules qui se dégagent, le fait que notre corps humain réagisse d'une certaine façon, et aussi le fait que eh bien, la machine d'acquisition, que ce soit l'IRM, le scanner soit construit d'une façon particulière, euh, de façon à faire réagir tel ou tel, euh, tel, ou tel mécanisme. De, de notre corps, va eh bien faire qu'on ne peut pas toujours tout observer. Et c'est ce qu'on appelle le manque de contraste. On ne va pas pouvoir, par exemple, voir la tumeur en même temps qu'une autre structure d'intérêt. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir plus de contraste, voir plus de détails dans, dans l'image eh On peut utiliser euh, des techniques d'acquisition différentes. Je vous en ai parlé juste avant. Dans le cas de l'AVC, on peut utiliser l'IRM, qui est parfois plus adapté que le scanner. Et on peut aussi utiliser des méthodes de post-traitement. Donc là, c'est euh, tout simplement un algorithme hein, qu'on va appliquer sur les images pour essayer d'en faire ressortir des choses qu'on... Qu'on n'aurait pas vu de façon brute. Et on peut aussi injecter des produits de contraste. Donc là, c'est des produits chimiques qui vont réagir avec notre corps et euh, permettre de faire ressortir des choses plus facilement à l'image. Donc voilà, maintenant, vous savez pourquoi est-ce qu'on dispose de plusieurs moyens pour acquérir les images. Voilà, il y, a des, il y a aussi des, comp des, des compromis de coûts, je vous en ai parlé. Donc en pratique, eh bien, les, les hôpitaux, comment ils gèrent, ce, ils gèrent ça Et eh bien, il y a des recommandations des autorités de santé. Et ils font aussi avec les moyens de, de l'hôpital. Il y a par exemple, dans le cas de l'IRM, on n'a pas souvent plus de 2 à 3, plus de 2 à 3 IRM par hôpital. Donc, il faut aussi prendre en compte ce critère-là et envoyer uniquement les, les patients qui en nécessitent le plus, qui nécessitent le plus vers l'IRM plutôt, plutôt que le scanner, par exemple, où il, il pourrait être dirigé euh, de façon un petit peu plus facile. Alors, justement, le but de la recherche en imagerie médicale, c'est de répondre à ces problématiques dont je viens de vous parler, par exemple, le manque de contraste, le fait qu'un examen soit long. Euh, on peut essayer de résoudre ces problématiques directement avec euh, bien la recherche. C'est un domaine qui est très large. Euh, il mobilise beaucoup de compétences, en, à la fois en physique, en mécanique, en électronique, en informatique, en mathématiques. Alors, moi, évidemment, dans cette présentation, je ne vais pas aborder toutes ces, tous ces domaines. Je vais vous parler plus précisément de l'informatique et des applications euh, mathématiques qui sont liées. Euh, mais un, la recherche dans les autres domaines est tout, euh, tout aussi active. Et je vous encourage à vous y intéresser. Alors, de mon point de vue, au cours de ces trois années de thèse, si je peux quand même avoir un, un retour, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent l'informatique, mais pas en tant qu'activité principale, donc qui savent développer, ils savent utiliser euh, des outils de développement, enfin voilà, il y a la programmation, euh, c'est un outil euh, quotidien, mais ce n'est pas leur domaine de recherche euh, principal. Eh bien, ce que j'ai constaté, c'est qu'auprès de ces personnes-là, il y a de plus en plus d'utilisation du machine learning pour résoudre des problèmes qui sont très spécifiques à leur domaine d'activité. Alors, au niveau des challenges, justement, euh, si on veut être un petit peu plus précis euh, des challenges en imagerie, ben, je les ai regroupés en deux catégories. Euh, première catégorie, c'est mieux voir, euh, donc arriver à obtenir, par exemple, une meilleure résolution dans l'image ou un meilleur contraste, comme je viens juste de vous en parler. Euh, ça peut être aussi de limiter l'utilisation d'agents de, de contraste. Donc, c'est des produits chimiques qui sont pas forcément, euh, enfin, ils sont parfois nocifs pour le corps et aussi pouvoir accélérer la vitesse d'acquisition des images, par exemple dans le cas des IRM, c'est des choses qu'on essaye de faire à l'heure actuelle. Et de l'autre côté, du côté diagnostique, euh, des tâches qui sont un petit peu plus haut niveau, dans le sens où on prend un peu plus de recul par rapport aux données, et eh bien là on s'intéresse par exemple à identifier automatiquement des, des structures anatomiques, euh, de vouloir détecter euh, directement la position de, des poumons, ou le volume des poumons, euh, le volume de telle, telle structure d'intérêt, ça c'est des choses qui sont aussi très, très demandées, et aussi, on peut s'intéresser à la prédiction, à l'évolution d'une maladie. Par exemple, euh, encore une fois, dans le cas de l'AVC, eh euh, lorsqu'une personne arrive à l'hôpital, on a envie de savoir par rapport à, au scanner qu'on qu va réaliser de son cerveau, est-ce que cette personne a des chances de développer un handicap à la suite de son, de son interruption de la circulation euh, du sang, ou euh, est-ce qu'elle a des chances de décès, ou est-ce qu'au contraire, elle a des chances de récupérer sans, sans aucune séquelle. Alors pour résoudre, pour euh, traiter ces problématiques, plusieurs solutions s'offrent à nous. Euh, la solution, ben, de développer un outil d'acquisition. Euh, alors clairement, ce n'est pas du tout le domaine qui me concerne, mais je pensais que c'était important de vous en parler parce qu'il y a beaucoup de travaux, comme je vous l'ai dit, de ce côté-là. Et justement, un des, une des pistes qui est, qui est explorée, eh bien c'est cette, cette sonde ultrasonneur portable qui coûte moins de 2000 euros. Donc c'est très intéressant pour des marchés émergents, pour des, des pays ou des, des villes où euh, eh bien, on n'a pas forcément accès à des ressources d'imagerie euh, très avancées, comme DRM par exemple. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir imaginer tout le corps. Euh, voilà. Donc ça, ça fait partie, à mon sens, des, des solutions technologiques qui sont mises en place pour, euh, pour diversifier, pour, pour permettre de transmettre et d'accéder à l'imagerie un peu partout dans le monde. Alors du côté de l'algorithmie, euh, et puis précisément dans une thématique qui moi m'a par particulièrement intéressé, qui était l'identification de, de régions anatomiques. Et c'était mon travail en tant qu'apprenti chercheur de, de bosser donc sur les algorithmes pour répondre à, à cette problématique d'identification des régions. Et bien pour arriver à... Enfin, quelles sont les problématiques plutôt euh, de, cette, euh, de cette famille de, de méthodes et bien il y a l'amélioration de la vitesse de la méthode. On veut que ce soit plus rapide à l'apprentissage. Faire en sorte que l'apprentissage d'une méthode basée sur, euh, par exemple, des réseaux de neurones soit plus rapide, que l'inférence aussi soit plus rapide. Euh, on souhaite également que la qualité soit, soit au rendez-vous euh, et que ça corresponde parfois à une réalité anatomique, ce n'est pas toujours le cas. On s'intéresse aussi eh bien, euh, à faire en sorte que cette méthode soit reproductible. Alors, ça, c'est un, un critère qui est très important. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, vous avez vu un algorithme qui vous paraissait très intéressant, euh, vous l'avez testé sur vos données, mais malheureusement, ça ne s'adapte pas bien à votre problème. Alors évidemment, c'est aussi un critère qui nous, nous intéresse, de, de, de faire en sorte que lorsqu'on développe un outil, une méthode, eh bien cette méthode soit réutilisable sur beaucoup d'autres applications, et facilement. Et aussi, un autre critère, évidemment, c'est de faire en sorte que la méthode qu'on propose, eh bien ça soit utilisable dans un contexte euh, clinique, euh, c'est-à-dire à, -dire à l'hôpital directement, ou euh, avec des ressources de calcul qui sont limitées, par rapport à ce que nous, on peut avoir en tant que, que développeur, en tant qu'ingénieur, qu un genre de choses. Alors, en fait, les problématiques du monde médical ne sont pas tellement éloignées de l'industrie, euh, si ce n'est qu'on accorde beaucoup d'importance à la sécurité et à la qualité euh, de la méthode pour la commercialisation. Et ça, ça passe par un processus qui est réglementé, par une validation clinique, et c'est en général quelque chose qui peut prendre plus d'un an. Donc, c'est tout ce processus réglementaire et euh, de vérification de la qualité qui peut prendre plus d'un an. Donc, une fois le logiciel d'aide à la décision, c'est un dispositif médical en production. En plus de ça, il n'est pas possible de mettre à jour le modèle euh, toutes les semaines, comme on pourrait le faire avec un, une application. Donc, de dé déployer comme ça toutes les semaines, avoir un cycle d'itération très rapide, c'est pas vraiment possible. Une fois à partir du moment où le dispositif a été euh, autorisé, il faut, il faut repasser par tout le, le processus réglementaire. Donc là, vous voyez encore une fois que c'est pas exactement la même, euh, le même workflow, on peut dire, de travail que sur une application de reconnaissance où ce serait pas euh, réglementé, attaché à la santé. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Alors maintenant, je vais en venir au deep learning, comme je vous l'ai dit, vous êtes à peu près tous déjà au clair par rapport à ça, donc je ne vais pas passer beaucoup, beaucoup de temps, je vais, je, vais rester, je vais rester, je vais passer très rapidement sur ces points-là. Alors en imagerie médicale, les choses qui nous intéressent, des grandes familles, il y a la super résolution. Alors la super résolution, c'est le fait d'améliorer la qualité et la résolution d'une image. Si vous avez déjà vu les experts de Miami, en fait, c'est euh, ce fameux zoom dans les images où on ne perd pas la résolution, la qualité des images. On peut zoomer comme ça pendant plusieurs fois et arriver aux au détails qui nous intéressent. Eh nous aussi, on essaye de, de faire ce genre de choses parce que, eh bien, euh, il faut un temps. Alors, C'est notamment lié au temps. Le temps d'acquisition d'une image va être lié à la résolution, au, au, au niveau de détail qu'on va obtenir. Donc, plus on passe de temps pour, euh, pour, euh, pour avoir un examen d'IRM, pour faire un examen d'IRM. Plus il y a de chances que, eh bien, le, le détail et la finesse de l'image soient importantes, mais par contre, ça nécessite bah, de passer beaucoup de temps dans l'IRM. Donc une solution, eh bien, c'est de réduire ce temps-là tout en utilisant derrière des méthodes de post-traitement pour améliorer la qualité de l'image. Alors du côté de la segmentation, pardon, du côté de la segmentation euh, cérébrale, la segmentation cérébrale, c'est le fait de délimiter des zones dans le cerveau. Euh, eh bien là, ça nous intéresse parce qu'on veut suivre l'évolution la plupart du temps d'une maladie, savoir s'il y a une région en particulier. Euh, qui, a, qui a changé de volume, qui s'est déplacé, qui a changé de forme. Voilà. Euh, on s'intéresse aussi à la génération de données synthétiques. Euh, pour, par exemple, entraîner après des systèmes euh, basés sur, euh, voilà, sur du deep learning, on peut vouloir générer des données synthétiquement en voulant reproduire un, une caractéristique particulière, par exemple une pathologie. Euh, par exemple, créer, créer des images de, de scanners thoraciques avec des lésions euh, cancéreuses. C'est possible. Euh, et encore une autre chose qui nous intéresse, c'est d'arriver à prédire l'évolution, par exemple, d'une lésion cérébrale. Euh, ça peut être le cas, encore une fois, dans l'AVC, ça peut être le cas pour une hémorragie, de savoir comment l'hémorragie va se résorber. Alors maintenant, du côté de la segmentation, et c'est vraiment le focus, euh, je dirais, de cette présentation, ça va être sur l'aspect segmentation. Alors la segmentation, qu'est-ce que c'est C'est le fait de délimiter une zone dans une image. Euh, évidemment, il y a d'autres d'autres choses qui sont possibles. Hein. Dans le médical, on ne s'intéresse pas uniquement à la segmentation. On peut faire de la détection d'objets, euh, de la reconstruction d'images. Mais moi, je, je prends le parti ici de vous parler de la segmentation parce que c'est clairement mon sujet. Euh, C'était mon sujet de thèse et c'est vraiment mon sujet d'expertise. Alors la segmentation médicale, je vous en ai parlé juste avant. Euh, on délimite des zones. Alors si vous voulez avoir un petit peu plus de concret, vous pouvez voir des délimitations de structures cérébrales sur la, la partie gauche de la slide, en haut à gauche, euh, donc à travers différents protocoles d'annotation. Et sur la partie droite, vous retrouvez une segmentation corps entier euh, en scanner où vous pouvez voir différents organes comme les poumons, les reins, euh, le cœur directement annotés. Alors tout ça, c'est utile eh bien, dans la mesure où on veut suivre l'état d'un patient diagnostiqué, savoir si un, un organe s'est déplacé, un organe a diminué de volume. Ça, c'est des signes caractéristiques euh, qui peuvent aider à diagnostiquer une, une maladie ou pas. Alors, du côté euh, des réseaux de neurones qui sont utilisés pour l'apprentissage, mais du côté de la segmentation, on n'a pas besoin de grand-chose en fait. Il hein. euh, y a déjà le, le gros du travail qui est accompli euh, du côté des logiciels. Tout ce qu'on a besoin, eh bien évidemment, c'est des données, des données qui sont annotées par, par des médecins. Euh, donc le réseau de neurones, qui a un modèle non linéaire, lui, euh, on va lui demander d'apprendre à travers hein, une optimisation de ses paramètres. Donc, pour ça, on utilise les images annotées dans un processus d'apprentissage. Et en comparant la sortie du réseau, donc ce que les réseaux proposent comme segmentation par rapport à la réalité euh, qui est donnée par l'expert, eh on va euh, entraîner notre réseau de neurones vers un résultat qui, au bout d'un moment, sera plus ou moins optimal. Évidemment, on n'obtient pas des performances euh, parfaites du premier coup. Donc pour apprendre tout ce qu'on a besoin des données à noter, une architecture pour le réseau de neurones, c'est la façon dont les couches euh, vont être organisées, euh, voilà, les, les différents types de couches possibles. On a besoin d'une fonction de coût qui va mesurer la différence entre la segmentation produite par le modèle et la réalité. Et on a besoin d'un optimiseur numérique qui va nous permettre de mettre à jour les poids, les paramètres de notre réseau de neurones. Alors, maintenant, un, peu, un petit peu plus de détails euh, par rapport à, à l'architecture du réseau de neurones. C'est un réseau de neurones convolutif. Hein, quand on parle d'imagerie, de vidéo, euh, même maintenant pour l'audio et pour du texte, euh, maintenant, on utilise des réseaux de neurones euh, convolutifs. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Alors ici, je vous présente l'architecture d'un réseau de neurones pour la segmentation. C'est une architecture qui a été proposée en 2015, qui s'appelle UNET. Alors UNET, pourquoi Eh bien, c'est sa forme en U. Elle a vraiment euh, bien, bien, bien marché. Elle a été réutilisée euh, des milliers de fois pour des applications médicales. Alors en fait, son fonctionnement, il est très simple. Euh, il est composé de deux phases. Alors, dans une première phase, vous pouvez retrouver l'encodeur. En fait, c'est la partie euh, descendante du réseau de neurones qui va compresser l'information et la phase de décodeur, donc la phase remontante, où là, on va reconstruire l'image à partir de... des descripteurs générés par l'encodeur. Et l'avantage de cette architecture, c'est justement, vu qu'on compresse l'information, eh bien, on ne va pas avoir beaucoup de paramètres à apprendre, et ça va diminuer, enfin, ça va accélérer le, le temps d'apprentissage, donc diminuer le temps d'apprentissage. Ça sera aussi beaucoup plus rapide à l'inférence, évidemment, et surtout, je pense que c'est un des plus gros avantages de cette architecture, eh bien, c'est qu'il a démontré qu'il pouvait s'adapter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, que ce soit dans le médical, ou en dehors du médical. Et ça, c'est vraiment une force de pouvoir réutiliser un, un travail directement et de pouvoir l'adapter sur, euh, sur ses propres données le plus rapidement possible. Alors justement, euh, maintenant que je vous ai présenté tout ça, vous pouvez vous dire, a priori, tout se passe bien, euh, ça devrait bien fonctionner, on a un réseau, une architecture qui, qui tourne, on devrait avoir des résultats satisfaisants. Alors est-ce qu'il y a des choses vraiment encore à, à améliorer ben, En fait, on n'a pas tellement de données que ça. Euh en imagerie médicale, parce qu'il eh y a des limitations par rapport voilà, aux données de santé, euh, des limitations euh, qui sont par exemple le fait d'anonymiser des données, le fait qu'il faille avoir obtenir l'autorisation pour, euh, pour récupérer les données, et c'est encore plus compliqué d'obtenir les annotations. Vous vous en doutez, ça, ça nécessite une expertise euh, de la part du médecin et euh, ça prend beaucoup de temps. C'est justement pour ça qu'on essaie de l'automatiser. Il y a aussi des nouveaux besoins qui apparaissent tous les jours. L'exemple le, le plus parlant, eh c'est la crise qu'on est en train de tra traverser. Il y a des nouveaux systèmes qui apparaissent pour essayer de dépister euh, le Covid, donc un besoin qui n'existait pas il y, a, euh, qu il y a quatre mois, qu'on essaye maintenant de, de développer. Euh, et parfois les images ne suffisent pas, les images telles qu'elles ne suffisent pas à arriver à modéliser un problème. Il se peut que eh bien tout simplement il n'y ait aucune information discriminante dans l'image qu'on puisse pas arriver à, à prédire quoi que ce soit. Voilà. Et une fois qu'on a atteint des niveaux de performance satisfaisants, et eh bien on essaie de valider ça sur des nouvelles données, de faire, de faire en sorte de mesurer que ce qu'on a fait, ce qu'on a produit euh, comme méthode, eh bien, est-ce qu'elle se généralise bien à différents, euh, différentes bases de données Ça peut être à la fois sur des bases de données similaires en termes de, euh, de modalités, que ce soit de l'IRM, du scanner, ou, ou aussi en termes d'organes. On peut toujours vouloir faire du cérébral, c'est une possibilité. Et on peut aussi essayer de, de voir, c'est ce que j'ai fait, si la méthode qu'on propose s'adapte à la fois pour d'imagerie cérébrale, en IRM, d'imagerie euh, scanner, euh, en corps entier. Voilà, pour voir si euh, c'est assez diversifié et c'est réutilisable d'autres personnes. Alors, maintenant, je vais vous partager mon retour d'expérience euh, sur mes trois années de thèse. Alors, je ne vais pas vous parler de mes trois années de thèse, ça serait euh, trop long et parfois pas très intéressant. Je vais plutôt faire un focus sur, euh, sur un problème que j'ai essayé de traiter du début à la fin, c'est-à-dire de la phase de recherche jusqu'à la phase de publication qui est un peu le, la fin d'un projet normalement. Alors, pour commencer un projet de recherche, forcément, on a besoin d'un problème. Alors, ça peut être un problème lié à une maladie. On, un, un médecin peut venir vous voir pour vous dire euh, j'ai ces patients, euh, j'ai besoin de les traiter, j'ai besoin de reconnaître ça dans, dans les images, mais ça me prend trop de temps ou je n'y arrive pas. J'ai besoin d'une méthode pour automatiser ça. Voilà, c'est une possibilité. Euh, et en tant que chercheur, vous pouvez être aussi amené à travailler sur une méthodologie. Euh, par exemple, vous, vous essayez de construire des euh, méthodes de segmentation euh, qui sont rapides, qui sont adaptables à plein de problèmes. Voilà, c'est. C'est un travail qu'on appelle méthodologique, qui est un petit peu plus haut niveau, qui ne se concentre pas uniquement sur un jeu de données en particulier, mais qui essaie plutôt d'être global. Et une fois que votre problème il est cerné, donc que ce soit un problème pathologique ou un problème sur une pathologie ou un problème sur une méthodologie, eh bien vous pouvez commencer à faire l'état de l'art, c'est d'aller voir eh bien, ce qui se fait dans la recherche, ce que d'autres personnes ont travaillé sur votre sujet, s'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme méthode et qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Alors moi, de mon côté, ma thèse a commencé à débuter en 2016, donc c'était vraiment l'explosion du deep learning déjà depuis, euh, depuis 2012. Ça avait commencé à exploser, donc les, les applications euh, se sont enchaînées. Et euh, bah, l'état des lieux de mon côté, c'est que j'avais déjà travaillé depuis plusieurs mois sur la segmentation cérébrale, et les méthodes que j'utilisais étaient très longues. Euh, donc on utilisait des SVM, pour ceux qui connaissent euh, un peu le machine learning. Et c'était voilà, des méthodes qui prenaient, euh, pour d'autres raisons, pas que pour le, le, côté, le côté SVM, pour d'autres raisons aussi, qui prenaient beaucoup de temps à traiter, à plusieurs heures en fait, pour une image. Donc c'était vraiment très long. Donc clairement, euh, d'un côté, l'explosion du deep learning, et moi, de mon côté, la segmentation cérébrale, on s'est dit avec mes directeurs de thèse qu'il euh, y avait forcément une, une piste intéressante euh, à travailler, et c'est ce qu'on a fait. Clairement, on a combiné du deep learning avec l'imagerie cérébrale. Et justement, euh, en 2018, donc c'est quand même euh, un an et demi plus tard, euh, j'ai fait d'autres choses entre-temps. J'ai pas fait tout de suite, tout de suite euh, des Unet, mais en 2018, en tout cas, on a attaqué les Unet, donc l'architecture que je vous ai présentée tout à l'heure. Et il s'est avéré que eh bien des Unet, ça marchait vraiment très bien et très rapidement sur notre problème, avec quelques petites adaptations. Mais au final, euh, voilà, les caractéristiques dont je vous, a, je vous ai parlé tout à l'heure, au niveau des articles qui s'adaptent, des travaux qui s'adaptent rapidement, là, on est clairement sur le cas où euh, Unet, eh bien c'est le le genre d'architecture qui marche très bien sur beaucoup de problèmes et c'est un gros avantage pour nous parce que ça nous voilà ça nous ouvre des nouvelles pistes alors l'avantage pour nous alors, en utilisant Unet, c'est qu'on a réduit notre temps euh, d'apprentissage notre temps d'inférence donc pour euh, juste pour information avant Unet pour euh, segmenter une image de cerveau c'est autour de 10 minutes voilà, pour une seule image et de euh, bah, YouNet mais une seule une seconde en fait pour euh, segmenter une image donc on a une, un facteur de, de temps D'amélioration euh, exceptionnelle, ou en termes de qualité, c'était à peu près équivalent, on avait une toute petite perte de qualité. Mais justement, ça ouvre une nouvelle piste de travail, c'est de se dire, eh bien, j'ai une méthode qui, euh, en termes de temps, ben c'est clairement le jour et la nuit. Et maintenant, en termes de qualité, je dois faire des efforts pour essayer de rattraper ce que j'ai perdu, ou encore une fois, améliorer un petit peu plus. Et justement, cette piste, on l'avait, euh, parce que quand on a vu, quand on a regardé nos images, eh bien ce qu'on a constaté. Euh, eh c'est des anomalies. Si on regarde les cartes de segmentation ici, euh, donc les cartes de segmentation, c'est les annotations qui sont directement euh, imposées sur les images. Eh bien, on voit des formes euh, vraiment pas naturelles qui se mélangent presque pour former des nouvelles couleurs. Et ça, quand on connaît un tout petit peu le, le corps humain euh, ou le cerveau, on sait bien que eh bien, les structures cérébrales, elles sont pas aussi bien euh, imbriquées les unes dans les autres. En tout cas, il y a des séparations qui sont vraiment euh, distinctes. Et donc déjà, moi, sans un regard de médecin ce que j'ai pu voir eh c'est qu'il y avait des, des choses des anomalies et justement ça a été tout le travail qu'on s'est posé après et eh bien c'est comment est-ce qu'on peut aider un réseau de neurones est comment est-ce qu'on peut inciter un réseau de neurones à penser comme un médecin euh, donc dans un premier temps il faut arriver à caractériser eh bien, cette, cette perception comment est-ce qu'on peut arriver à traduire ce que nous on voit euh, visuellement qui nous paraît eh bien euh, aberrant comment est-ce qu'on peut arriver à caractériser cette connaissance pour euh, l'intégrer directement dans le réseau de neurones et c'est donc justement tout le travail que nous, on a accompli. C'est donc la phase, le début de la phase de modélisation de notre, de notre projet de recherche ici. Alors, modéliser, modéliser c'est le fait de, de convertir, d'implémenter euh, un problème sous une forme, bah, ça peut être une forme de code, ça peut être un, sous la forme d'un problème mathématique. Mais avant ça, il faut arriver à, à savoir qu'est-ce qu'on va modéliser. Et dans le cerveau, une fois que on, on, si on pense à l'échelle des structures directement, si on pense à l'échelle de l'organisation des structures, eh bien on peut imaginer plein, plein de formes de connaissances. Ça peut être la forme des structures, euh, vouloir que telle structure ressemble globalement à quelle est une forme plutôt triangulaire ou une forme plutôt euh, sphérique, euh, la taille, la position ou l'adjacence. Et justement, l'adjacence, c'est l'information la, que nous, on a décidé d'utiliser. L'adjacence, c'est simplement le fait qu'il y a un voisinage direct entre deux régions anatomiques. Donc là, si on prend par exemple le cerveau euh, euh, qui est sur le milieu de la slide, on voit qu'il est connecté directement sur la partie en haut à, à droite, on voit qu'il est connecté directement, la zone blanche est connectée directement à la zone bleue. Donc c'est un voisin qu'on qu qualifie de voisin direct, donc il y a une adjacence directe entre ces deux, ces deux régions. Mais par contre, il n'y a aucune adjacence entre la, la zone blanche et la zone euh, marron clair qui se situe euh, au milieu, euh, milieu gauche. Et donc, ça, c'est une information qui nous intéresse, euh, précisément la non-adjacence, le fait que deux régions ne soient jamais en contact. C'est en fait euh, l'information que nous, on a décidé d'exploiter de, dans notre travail de recherche. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut modéliser l'adjacence C'est la question. Comment la caractériser Et eh bien en fait, tout ce qu'on a fait, eh c'est qu'on a été voir dans notre base d'apprentissage, euh, les cartes de segmentation qui étaient à disposition dans notre base d'apprentissage. Et eh bien on a été voir pour, tout, pour toutes les images et pour toutes les structures quelles étaient. Euh, les relations de voisinage direct entre toutes les structures pour construire tout simplement une matrice d'adjacence. C'est justement ce que je vais vous montrer ici. Donc euh, sur la partie gauche, on retrouve la matrice d'adjacence binaire euh, qui a été extraite de, de nos images. Alors comment est-ce qu'il faut la lire, cette matrice euh, C'est une matrice qui est symétrique. Euh, vous retrouverez la même partie et la même information euh, sur le, la matrice inférieure et la matrice supérieure. Ce qui nous intéresse en fait, c'est de caractériser le fait qu'il y ait une adjacence entre une région I et une région J. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de lignes. C'est en fait parce que euh, sur le problème que j'ai traité, euh, j'avais beaucoup de structures, beaucoup de régions à délimiter. Donc c'est pour ça que vous, vous retrouvez avec, euh, ben, il y a exactement 134, euh, 134 lignes dans cette, euh, dans cette matrice. Et donc pour chacune des lignes, on va savoir, en fonction de la ligne et de la colonne, s'il y a une adjacence directe entre la région I et la région J. Donc par exemple, dans l'image que je vous ai montrée juste avant, on va retrouver une petite cellule bleue. Euh, dans le cas où la région blanche et la région bleue sont connectées. Voilà. Alors une fois qu'on a réussi à extraire cette information d'adjacence, euh, où en fait on sait, on connaît comment les régions sont interconnectées entre elles, eh bien la première chose qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que euh, le réseau de neurones, euh, le réseau de neurones convolutif, donc le fameux UNET que je vous ai présenté juste avant, euh, il produit des adjacences qui sont considérées comme anormales. Alors tout ce qu'on a fait, c'est très simple c'est qu'on a entraîné notre réseau de neurones de façon tout à fait classique euh, voilà, sur, sur nos données, donc sans, sans euh, outils particuliers, euh, voilà. très classiquement. Et ce qu'on a obtenu en lui demandant, en faisant segmenter des nouvelles images, eh c'est qu'on a obtenu un grand nombre d'adjacences de, de, qui étaient considérées comme anormal, euh, donc est considéré comme anormal tout ce qui sort de ce qu'on a pu extraire euh, de notre base de données, donc tout ce qui sort de la normalité qu'on a caractérisé juste avant dans la matrice précédente. Donc vous voyez que tous ces points rouges, en fait, c'est des points qui représentaient une connexion entre deux régions. Donc, en fait, il y avait euh, le réseau, enfin le réseau en sortie de, de ce réseau de neurones était donné euh, deux régions qui, en théorie, par rapport à la matrice euh, d'adjacence binaire qu'on avait extraite, ne pouvaient pas avoir, euh, ne pouvaient pas être connectées. C'est tout à fait ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y avait vraiment des mélanges de, de régions, des petits pixels qui se baladaient un petit peu partout dans l'image qui, qui correspondent à, à des erreurs. Mais justement, nous, ce qu'on veut corriger dans ce, dans ce travail-là, c'était euh, de faire en sorte que le nombre de, de connexions d'adjacence anormale soit réduite. Alors, c'est justement le, tout le travail de modélisation qui a été fait. C'est d'intégrer euh, dans notre fonction de coût un terme qui permet de calculer l'adjacence directement euh, en sortie du réseau de neurones. Donc, tout l'intérêt ici, c'est en fait de vouloir faire apprendre au réseau de neurones, en même temps qu'il apprend à segmenter une image, à produire des adjacences. Qui sont correctes par rapport à la vérité, euh, vérité qu'on lui, qu lui fournit avec euh, la matrice, la matrice d'adjacence binarisée. Donc, ce qu'on retrouve, en fait, si euh, vous avez déjà, si vous êtes déjà intéressé un petit peu aux fonctions de coût, que ce soit pour des réseaux de neurones ou pour, pour d'autres problèmes d'optimisation, eh on retrouve euh, la fonction de coût traditionnelle, la loss, qui va se mesurer sur euh, des images en sortie de notre réseau. On va comparer la vérité par rapport à, à la segmentation produite par le réseau. Et en plus de ça, nous, on a ajouté une contrainte de non-adjacence. Donc là, je vous simplifie beaucoup la, les détails d'implémentation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a produit, on a implémenté une fonction qui permet de mesurer l'adjacence directement euh, en sortie de notre réseau de neurones. Et cette fonction, vu qu'elle est dérivable, eh bien, elle permet de corriger l'adjacence directement lors de l'apprentissage. Maintenant vient la phase d'expérimentation. Euh, on veut savoir si euh, tout ça, ça fonctionne, euh, ça fonctionne bien. Donc on a testé ça sur trois bases de données différentes. Donc la base Mikaï et la base IBSR sont des bases de données d'imagerie cérébrale euh, où on a segmenté des régions du cerveau, tout simplement, Donc avec euh, différents, euh, différents degrés de segmentation. Pour la base Mikaï, il y a plus de 130 structures qui sont, qui sont annotées. C'est euh, de l'ordre d'une quarantaine pour IBSR. Et la base Anatomie 3, euh, c'est une base corps entier. Donc on a segmenté des organes euh, voilà, du corps entier, il y en a à peu près une quinzaine. Donc ce qu'on peut voir, en fait, la différence sur la colonne de gauche, eh c'est un réseau de neurones qui est entraîné sans aucune forme de pénalisation, sans aucune forme d'information autre que la carte de segmentation. Et on voit qu'ils produisent à peu près tous des anomalies en termes d'adjacence. Et finalement, la colonne de droite, eh c'est le résultat de l'intégration de cette fonction. Et on voit qu'on eh réduit fortement l'adjacence euh, en intégrant la connaissance au préalable qu'on a extraite directement. Alors ce travail, il n'est pas limité ex exclusivement à la notion d'adjacence binaire. et ce, aussi peut aussi s'utiliser sur, sur des données non annotées donc c'est la fameuse semi-supervision voilà, il permet aussi de prendre d'autres informations en compte et il s'inscrit dans un cadre un petit peu global qui est la, de garantir la robustesse du deep learning pour l'apprentissage profond de faire en sorte que eh bien, les modèles que l'on développe eh bien ils soient, ils soient plus robustes en termes de résultats on veut s'attendre à des résultats qui vont paraître beaucoup plus réalistes par rapport à, à la connaissance qu'on a de l'anatomie la, humaine donc une fois le processus de modélisation terminé et d'expérimentation terminé, eh bien, il vient la phase de publication euh, voilà, dans, dans un journal scientifique où d'autres personnes évaluent votre travail jusqu'à euh, ce que ce, cet article soit publié. Alors une fois le, le travail terminé, là je parle plutôt de la thèse en général plutôt qu'un projet, eh j'ai euh, pris le parti de m'orienter vers l'industrie. Euh, parce que je voulais euh, en fait convertir, transmettre les compétences que j'avais pu acquérir dans mon secteur, dans mon domaine, vraiment euh, vers un outil qui soit utilisable par d'autres euh, en hôpital et que ce soit accessible. Voilà le parti que j'ai pris. Euh, mais avant ça, j'ai envie de vous faire un petit panorama des startups médicales françaises, la fameuse MedTech. Et j'ai identifié quatre euh, startups, mais il y en a des dizaines. Euh, évidemment, je ne pouvais pas vous parler de toutes, euh, toutes les startups, mais je, vous, je voulais vous parler de, de quelques-unes d'entre elles. Alors la première, c'est cardiologue euh, elle permet de faire de l'analyse d'électrocardiogrammes, c'est des examens euh, cardiaques qui permettent de dé détecter des événements anormaux voilà, dans le fonctionnement du cœur. Et c'est en fait, euh, il propose un outil qui permet justement de détecter ces événements anormaux directement à partir des, des ECG. C'est très utile parce que les ECG, eh bien, ils, ils, génèrent, ils génèrent beaucoup de données et euh, ça permet de faire gagner un temps, un, un temps assez important. Thera Panacea, euh, qui travaille dans le domaine de la radiothérapie, il propose un outil de segmentation euh, automatique des tumeurs, des organes. Donc c'est la fameuse segmentation corps entier que je vous ai présentée juste avant. Euh, OQueen, qui travaille dans le secteur de la cancérologie, eh bien eux, ils proposent pas uniquement un seul outil, mais beaucoup d'outils. Donc environ euh, une trentaine d'algorithmes. C'est en fait un, calco, un, un catalogue d'algorithmes prédictifs qui est à disposition euh, de laboratoires de recherche, euh, d'hôpitaux, enfin voilà de toutes les personnes qui sont en lien avec euh, le secteur de la cancérologie pour arriver à, par exemple à prédire l'évolution euh, d'une maladie, d'un type de cancer, ou pour arriver à sélectionner des patients dans une étude. Alors Therapixel, c'est une entreprise qui, euh, sur laquelle je vais passer un petit peu plus de temps, qui, euh, qui m'intéresse, qui, euh, qui propose de faire de l'aide la, de à la détection pour la mammographie. Donc, dans le cas de, du cancer du sein, il propose des outils pour euh, détecter euh, bien des nodules. Je ne connais pas vraiment dans le, dans le domaine du cancer du sein, donc je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, ce qu'il propose, c'est euh, d'aider le radiologue à trouver euh, des, euh, des zones d'intérêt qui vont permettre de dresser le diagnostic, que ce soit un diagnostic qui soit positif, que ce soit la présence euh, potentielle d'un cancer ou pas. Voilà. Et justement, euh, je vous avais préparé une petite interview de, de Philippe Anselme qui est donc le CTO de therapixel, euh, Pour un, une petite raison de temps, je pense que ça ne va pas être possible de montrer cette interview, mais en tout cas, je vais vous donner le lien. Et juste après ça, vous pouvez avoir accès directement à l'interview. Euh, ce que je voulais faire, en fait, c'est vous donner la possibilité de voir un outil euh, de deep learning utilisé directement sur des images, euh, ben, des images de santé. Et l'avantage de tout ça, c'est que leur outil est proche d'être commercialisé en, en Europe. Euh, donc, je voulais vraiment voilà, vous montrer qu -ce que, à quoi ça ressemble, cet outil-là. Et tout, euh, tout ça, tout ça c'est dans l'interview. Donc, je vous invite à aller regarder l'interview juste après. Ça dure 8 minutes, c'est assez rapide. Donc voilà une petite image de, de l'interface, mais encore une fois, je vous recommande plutôt d'aller voir l'interview. Alors, du côté de, de moi, de, de l'industrie, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer des, des hospitaliers. Euh, je suis allé à la rencontre. C'était un peu ça, j'avais mes compétences et je cherchais des personnes qui avaient un besoin. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui avaient un besoin du côté, euh, du côté hôpital et un besoin surtout du côté de l'AVC. Donc l'AVC, c'est une, une pathologie. Euh, cérébrale, donc euh, c'est une interruption de la circulation sanguine dans une veine ou une artère du cerveau. Et euh, ce qui peut amener à, à, voilà, à des handicaps, à un décès potentiel. Donc il faut agir rapidement, traiter rapidement. Euh, et c'est pour ça que, justement, il y a besoin d'un outil qui soit, qui soit proposé, un outil qui permette d'analyser automatiquement des images. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'analyser les images si, euh, si potentiellement il y a des experts qui sont déjà, des professionnels qui sont déjà. Euh, dans ce réseau français hospitalier. Eh bien, la plupart du temps, il faut savoir que la compétence d'analyse n'est pas toujours présente. Il y a des experts, évidemment, dans beaucoup de centres, mais parfois, à certaines heures du jour ou de la nuit, euh, ce n'est pas toujours disponible. Et ça prend aussi beaucoup de temps d'analyser tous les indicateurs pour arriver à identifier euh, le traitement derrière qui sera le plus adapté à tel ou tel patient. Alors, tout l'intérêt de l'outil qu'on est en train de développer, eh c'est de permettre d'analyser directement ces images qui sont... Qui sont euh, directement basculés euh, en ligne, qui basculent de, du système d'archivage de l'hôpital en ligne pour être analysés et fournir des outils comme de la segmentation euh, d'une zone du cerveau qui serait potentiellement touchée par, euh, par, une manque, par un manque d'apport en oxygène, par un, un manque d'apport en, en nutriments. Donc, ce serait une zone du cerveau qui serait en, en train de, de, de mourir, en fait. Euh, donc, voilà, il y, y a tout un tas d'algorithmes qu'on peut proposer euh, pour aider. Des, des spécialistes, des radiologues, euh, des neurologues, pour interpréter ces images de, de l'AVC en phase aiguë. Donc, c'est vraiment à l'hôpital. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer vraiment d'outils. Je suis à quelques semaines de pouvoir euh, obtenir un premier prototype pour, euh, pour de la classification. Mais tout de suite, je ne peux pas vous présenter. Radiostix, c'est encore un projet qui évolue à son rythme, mais euh, encore loin de ce que pourrait faire, par exemple, une autre entreprise comme, euh, comme Terapixel. Alors, pour conclure maintenant très rapidement, j'ai envie de, de conclure un peu sur tous les buzzwords qu'on peut en entendre sur l'IA et la santé. On est loin des systèmes, euh, le fameux MedPod qu'on peut retrouver dans Prometheus pour les fans d'Alien. Euh, on est loin encore des systèmes automatisés pour, pour guérir. Par contre, ce qui est réel, c'est que oui, il y a un bénéfice à l'utilisation de l'IA euh, dans la santé, notamment euh, pour accélérer le travail d'annotation du radiologue. C'est l'exemple de Terra que je vous ai présenté. Euh, les radiologues ont un temps limité pour, euh, pour annoter les images. Euh, et ce temps peut être, euh, peut être, peut être largement mis à contribution pour d'autres choses, euh, d'autres tâches que le radiologue peut faire. Et justement, les algorithmes sont là pour accélérer ce travail. Euh, à mon sens, ce qui va probablement apporter le plus de bénéfices, c'est le croisement de sources de données. Donc, de croiser des indicateurs, par exemple euh, d'imagerie, avec d'autres indicateurs un petit peu plus euh, biologiques, et aussi des comptes rendus hein, dans le temps, euh, par exemple pour arriver à suivre. Si on arrive à suivre l'évolution d'une maladie dans le temps, peut-être que pour une autre personne, on arrivera de la même manière à arriver à prédire l'évolution d'une autre pathologie. Donc ça, c'est ce que j'appelle le croisement d'indicateurs. Ça peut être utile pour, euh, pour des sociétés comme therapixel, qui utilisent la mammographie et la biographie. Euh, la, j'ai oublié, la biopsie, pardon. Euh, la biopsie pour, pour être sûr qu'une personne est vraiment atteinte d'un cancer et pour injecter cette information-là. Et on peut aussi s'en servir, ce croisement de, de, de sources, pour prédire l'évolution eh d'une maladie. Alors à mon sens, c'est vers cette piste, c'est probablement cette piste-là qui va générer beaucoup d'applications intéressantes dans les années à venir. Mais Il y a aussi beaucoup d'autres améliorations, beaucoup d'autres progrès qui sont faits dans les autres secteurs de l'imagerie médicale dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, euh, par exemple euh, la physique euh, ou encore l'électronique. Et voilà tout. Merci à tous. vous retrouvez le lien de l'interview directement euh, que vous pourrez aller voir. dans la section chat. Donc c'est disponible. Super. Merci. Euh, avec plaisir. Donc n'hésite pas. Euh... Donc n'hésitez pas pardon, à, euh, à aller euh, nous donner un petit feedback sur la vidéo. Euh, par rapport aux questions, donc on en a une. Euh, donc je te la pose directement. Donc euh, bonjour, Do docteur Ganaï, J'ai une amie qui a fait un AVC à seulement 23 ans, ce qui est plutôt rare. Dans vos algorithmes, associez-vous des données extérieures aux images médicales, sociodémos, etc. Euh, la plupart du temps, non, ce n'est pas le cas. Et ça va même un petit peu plus loin que ça pour se prémunir des cas où justement des cas assez rares euh, où on n'est pas censé avoir des patients enfin traiter des données de patients jeunes euh, en fait quand on construit un dispositif la plupart du temps il faut dire pour quelle catégorie pour quel euh, sur quel type de personnes cet algorithme a été testé et validé et la plupart du temps c'est sur des personnes évidemment qui euh, bah, qui vont avoir plus de 40 ans euh, voilà une certaine plage d'âge chez qui l'AVC est beaucoup plus courant et euh, ce qui fait que la plupart du temps on ne recommande pas l'utilisation de ce type d'outils pour des personnes euh, jeunes, on va dire, encore moins pour des, voilà, pour des jeunes adultes ou des jeunes enfants. Effectivement, ce n'est pas des informations qui sont exploitées et la plupart du temps, on essaie de s'en prémunir parce que c'est des cas vraiment assez borderline. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnerait pas. Euh, ça veut dire que la plupart du temps, eh l'algorithme qu'on construit et qu'on valide euh, réglementairement, il n'est pas testé sur des patients jeunes et donc, dans cette mesure, on ne peut pas prendre le risque. Ce serait trop risqué euh, de l'utiliser sur des patients jeunes. Mais oui, en théorie, si... Euh... Bon, ça serait accessible à, à peu près à n'importe quelle personne. Euh, mais la réponse à la question, non, on n'intègre pas d'informations démographiques. En tout cas, pas dans la plupart des systèmes que je connais. Très bien. Super, merci beaucoup. Euh, donc, on a une deuxième question aussi de Benjamin Tardy. Euh, Avez-vous testé d'autres architectures de réseaux de neurones durant votre thèse euh, Oui, j'ai testé plusieurs approches, euh, plusieurs arch architectures de réseaux de neurones. Donc, avant 2018, j'étais euh, sur d'autres architectures. Qui prenait beaucoup plus de temps à traiter c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ça prenait euh, c'était des architectures par patch pour ceux que ça intéresse donc on traite une, une zone de l'image euh, une zone à la fois et ça prenait beaucoup de temps ça prenait de l'ordre de 10 minutes mais euh, maintenant la tendance c'est vraiment euh, en général dans le médical à l'utilisation de ce de ce UNET qui marche dans beaucoup 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 de problèmes et très rapide d'accord super euh, bah écoute, euh, on n'a pas, on a pas d'autres questions. Euh, merci beaucoup Pierre Antoine, merci pour ton talk, c'était très intéressant. Euh, donc je rebondis, voilà, on a euh, trois slots cet après-midi. Euh, un sur euh, Internals of Speeding Up Up PySpark with Arrow, donc en fait on va faire un deep dive dans Spark pour la partie Python. Euh, deuxième talk de l'après-midi, on va parler d'AWS et comment, enfin on va, on va comparer deux solutions AWS Glue et EMR et dernier talk de la journée donc on va parler euh, d'intelligence artificielle donc le futur du euh, software testing machine learning assistance merci beaucoup à tout à l'heure merci beaucoup Pierre Antoine merci